Eh bonjour à tous et à toutes, c'est Bobby et aujourd'hui on est sur du Hearthstone, mais pas n'importe lequel, vous le voyez sûrement vous. C'est pour la première extension de cartes de ce jeu. Oh, ça fait un mois que j'attends. Hier, aujourd'hui on est le 10 décembre. Hier normalement il devait sortir, je rentre de cours et tout, j'étais à l'hype. Dans le sang là, oh, et j'arrive, je démarre, je prépare tout le matos pour vous faire cette vidéo, et là, je vois qu'elle n'est pas sortie, et là, je rage bien sûr, il était 17h, j'avais pas le temps après en fait, je voulais vous la faire en feeling comme ça, en rentrant des cours. Et aujourd'hui, du coup, je l'ai attendu jusqu'à aujourd'hui, 15h, pour être tranquille chez moi. Et du coup, ça fait depuis midi où c'est sorti et j'ai la souris qui attend devant le bouton jouer. Alors, pour vous dire, je voulais faire ça avec vous, j'ai failli craquer. D'accord? Alors, un peu de respect, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Gobelin et Gnome, GNG. Et cette vidéo va être le début d'une nouvelle série. Quelle est-elle, vous allez me dire? C'est ce qu'on a. Je vais appeler cette série Booster Breaker. Donc, c'est du cracking de booster. Donc, là, c'est Gobelin et Gnome pour l'événement de la sortie. J'ai économisé beaucoup d'or. Et donc par la suite, après que j'ai atteint 1000 d'or, donc qui est équivalent à 10 paquets, je vous ferai une vidéo pour ouvrir ces 10 paquets. Donc vidéo commentée, comme vous le voyez là, où je commenterai mes sorties de cartes. Donc là, j'espère, je prie Chansus pour avoir au moins une légendaire. Désolé pour le bug de micro. Et donc je disais, désolé pour le bug du micro, normalement on m'entend toujours. Je vais faire une ellipse pour voir si ça marche toujours. Et re tout le monde! Alors, petite synchronisation. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Extension Gobelin et Gnome est maintenant disponible. Oh yeah, donc je sais pas comment ça marche. Oh, Gobelin Gnome, c'est de la dynamite. Joueur, le jour du lancement de l'extension Gobelin et Gnome. Donc voilà, j'ai des missions à faire que je ne les ai pas toutes faites. Et donc j'ai le droit à 3 paquets gratuits en plus de mes 14 en plus que je peux acheter. Je sais pas comment ça marche, je vais voir avec vous. Ah, faut juste sélectionner là. D'accord. Faites double clic hein, pour sélectionner le nom que vous voulez et donc j'en veux 14. Acheter. Oh yeah les amis, j'ai l'hype, donc ça fait 17 paquets. 17 paquets à ouvrir avec vous. Allez, c'est parti. Premier paquet de cette extension Gobelin et Gnome avec la superbe animation au niveau de l'alarme que vous voyez. Attention. Oh yeah, j'adore ça. Ouh, c'était stylé. Alors, voyons voir. Une carte neutre. Enfin, commune. Une rare. Une épique! Oh les amis, c'est pas possible. Une épique pour commencer. Oh, désolé pour le bug.
Désolé pour le bug de micro. Mais là, une épique. Et deux autres copies. Donc nous avons le choix de Vélène, le déchiqueteur piloté, le Zap-O-Matic tournoyant. Donc des assez bonnes cartes. Donc une carte prêtre. Je joue pas beaucoup prêtre, donc ça va pas me servir à grand chose, mais c'est une bonne carte. Le déchiqueteur piloté, qui est une très bonne carte. Oh. Ouais, c'est une très bonne carte, donc je suis content. Alors, passons à la rare. L'accumulateur d'arcane X21. Très très bonne carte, je suis content de l'avoir. Et maintenant l'épique. Sombre feu follet. Cette carte était très 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 puissante chez le druide. Je suis content de l'avoir. Même si j'y joue pas beaucoup. Allez, c'est un très bon début. Par contre, je vais refaire une ellipse pour régler les problèmes du micro. Allez, à tout à l'heure. Et re tout le monde! Petit synchronisation. Waouh! Synchronisation de nouveau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc on va y repartir pour le deuxième paquet. Attention. Encore la superbe animation. Oh yeah! Désolé, alors, je m'emporte, mais c'est tellement stylé. Alors, une commune. Rare, commune, donc paquet de cartes basiques. Donc, carte druide, druide du croc. Très très bonne carte. Yeti mécanique, extrêmement bonne carte. Extrêmement bonne carte, je sais pas. Wouah! Et donc, le Yeti tour 4 qui donne une pièce détachée. Donc, content. Bonne carte en tour 1, je suis content. L'Ennuotron aussi, très très bonne carte. J'ai du bon tirage quand même, hein, même si c'est pas que des épiques, des rendaires, etc. Premier paquet, une épique, ça commence déjà très très bien. Jusque-là, on peut pas. Et puis les cartes, elles sont presque toutes géniales. Donc au final, au niveau des cartes qu'on va avoir, c'est pas le problème. Et notre rare, le chaman Cognedune. Bonne carte, mais je pense pas que je la jouerai. Donc, petite précision, dans ces vidéos, je ne fais que ouvrir les paquets. De commune et rare, paquet basique. Que ouvrir les paquets et je ne ferai aucun deck. Je ferai un deck plus tard. Là, je vais vous monter la vidéo pour vous la sortir aujourd'hui. Puisqu'on est mercredi, normalement, vous avez une vidéo aujourd'hui. Et ça sera celle-là. Voilà. Donc, vous voyez les cartes. Moi, je les regarde pas vraiment. Je les regarderai après. Vous pouvez mettre en pause pour les voir. Tout va bien. Et donc, aussi, donc, pour parler de la chaîne, parce que ça va être un peu une deuxième épique, hein, je suis super content. Ah, ça fait deux fois que j'ai. Oh, je suis content. Désolé pour le bug de micro, mais là, suis tellement content. Très très bonne carte paladin. Bref, pour les vidéos, Borderlands.
Alors, parlons de Borderlands. Borderlands, donc, je suis encore désolé pour le bug de micro. Ouh, deux fois choix de vilaine dans une même. Dans un même paquet? Sais pas la probabilité que j'ai ça, mais. C'est étonnant. Donc, nous avons extrêmement d'avance. Parce que, en fait. Ouh, légendaire! Oh punaise, oh, je suis content les amis. Oh je suis tellement content. Oh, d'habitude j'ai tellement pas de légendaires dans mes paquets. Vous vous mettez en pause si vous voulez voir. Attention! J'ai les yeux fermés, je ne vois pas c'est laquelle. J'ai juste entendu. Ah, légendaire! Donc je vois pas. Je vais ouvrir les yeux les amis. Oh! Yeah. Je suis tellement content. C'est une très bonne légendaire. Donc je disais, pour Borderlands, nous avons extrêmement d'avance pour vous dire. Les vidéos, vous les avez pas encore. Mais il faut encore que je les monte. Et ça doit faire 3-4 mois qu'on les a tournées. Donc faut pas vous inquiéter, on a beaucoup d'avance, on continue à en tourner quelques-unes. Enfin, on va se remettre à tourner des vidéos. Mais en fait, je vais faire une semaine où en fait j'aurai déjà monté toutes les vidéos. Et donc, je vous les diffuserai toutes dans la même semaine en fait. Donc du coup, on rattrapera vite notre avance, mais ça sera bien parce que du coup, nous, on pourra aller s'amuser tout en ayant du contact avec vous, donc pas trop d'avance. Et donc, on sera content de faire ça. On attend ce moment. Enfin, moi, j'attends ce moment, du moins. Depuis longtemps. Et puis, donc on est le 10 décembre. Noël approche. Noël approche. Qui dit Noël approche? Qui dit Assassin's Creed Unity, les mecs? Que je vais avoir à Noël. C'est presque sûr. Oh, une dorée. Soit. Et donc, ce qui veut dire nouvelle série. Alors, si vous avez vu les miniatures. J'en reparlais tout à l'heure, mais la miniature d'Assassin's Creed Unity a été faite. Oh, très belle. C'est ta mère le tuc qui me l'a dit. Mais moi, je n'ai pas pu la voir. Il me la garde en surprise. Et donc, je découvrirai la miniature en même temps que vous, les amis. C'est pas génial? Donc, il m'a dit, tu vas voir, elle est géniale, j'ai bossé dessus. Donc, je suis tellement pressé de la voir, cette miniature, plus que d'y jouer, hein. J'ai entendu dire, donc on m'a dit que la première mission était une mission à faire en solo. Bien sûr, je ne veux aucun spoil, hein. Dans les commentaires, s'il vous plaît. Je suis resté à l'écart de ce jeu. Voilà, je connais rien sur le jeu. Mais j'ai entendu dire que c'était la toute première mission était une mission simplement à faire en solo. Jusque-là, c'est logique. Troisième épique, les amis. Et donc, je ferai une vidéo spéciale première mission. Enfin, j'avancerai sur les missions qu'on peut pas faire en solo avec vous, tout seul. Et bien sûr, les autres missions, tout le reste qu'on peut faire en coopération. Nous le ferons en coopération. Mais pas à deux. Mais à trois. Et oui, normalement, nous serons trois. Donc au début, on sera peut-être que deux avec Batreus,
cher Patrius. Et parce que tant que le fameux monsieur le Tuc est le jeu, parce que en fait Patrius l'a déjà. Et c'est un connard. Direct, je suis violent. Ce que moi je le veux depuis tellement longtemps. Je suis obligé d'attendre un nouvel jeu. Et donc, on se fera plein de vidéos. Ça sera un let's play. Aucun condensé. Vous comprendrez pourquoi bientôt. Et. je vous mets tellement l'eau à la bouche. Et donc, ça sera fait en multi avec Monsieur Batrius et Monsieur le fameux le Duc. Donc, voilà. Et du coup, il y a des chances que toutes les autres vidéos, que ce soit les seules vidéos qui sortent Assassin's Creed Unity, parce que j'ai tellement passé de temps dessus. Ça va être un truc de fou. Donc voilà. Bientôt Assassin's Creed Unity, je vous dis les amis. Alors pendant ce temps, on avance dans les cartes, comme vous avez vu. Et une rare dorée. Oh, c'est l'annulateur d'Arcane X21. Et il est très très beau. Donc on avance dans les cartes et on arrive aux deux derniers paquets. Attention, avant-dernier paquet. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je vais me remettre à parler. Et donc, je vous disais les miniatures tout à l'heure, que je reparlerai. Alors, je tiens à me remercier une personne pour ces miniatures. Vous l'aurez deviné, c'est Monsieur ta mère, le Duc. Je dis monsieur parce que je fais ce que je veux. Monsieur le Tuc. Alors. Monsieur le Tuc, je tiens à te remercier pour ces magnifiques miniatures d'une telle beauté. Et je finirai ma phrase après parce qu'il y a le téléphone qui sonne. Il y a le téléphone qui sonne. Bref, allez. À tout de suite. Ok, re les amis. Alors, c'est super parce qu'il n'y avait personne au bout du fil. Donc, je me suis fait troller. Mais c'est pas grave. Alors, petite synchronisation. 1, 2, 3, clic. 1, 2, 3, clic. 1, 2, 3, clic. 1, 2, 3, clic. Bref. Et donc, je tenais à te remercier, monsieur Duc. Mon cher le Tuc, pour ces magnifiques miniatures, je sais même plus ce que je disais, qui sont d'une très grande beauté. Par contre, je me suis dit, vous voyez, nous n'avons pas les mêmes valeurs, que tu m'as dit, donc je sais, que certaines miniatures, tu ne les avais pas entièrement bossés. Vous, les amis, vous ne voyez pas de quoi je parle. Mais lui, il saura très bien de quoi je parle. Alors, je sais que tu es un artiste. Enfin, c'est pas vraiment un artiste, mais. Il dessine très très bien. Enfin, il fait des super montages de vidéos et de photos. Parce que le montage de vidéos, c'est moi qui le fais, n'est-ce pas? Et donc. Je voulais te demander de te mettre à fond dedans. Comme pour celle d'Assassin's Creed Unity, même si je ne l'ai pas vue. Même si celle-là, tu m'as dit que tu avais galéré, mais je sais pas si tu as vraiment fait un énorme montage ou pas. Donc, mais même, je tenais à te remercier pour tout ça. Elles sont superbes. Je les adore. On dirait des miniatures de pro. Ça, c'est génial. Et donc, j'aimerais que sur certaines miniatures, tu les refasses. Et que tu les refasses à ta sauce. À toi. Pour qu'elles soient encore plus belles. Et qu'elles nous soient personnalisées à nous. Tu vois ce que je veux dire?
Donc voilà. Petit moment de remerciement et on attaque le dernier paquet. Allez, c'est parti. On commence par une commune. 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 Putain, je termine par un paquet de base. Une rare. Et une commune. Super, je termine par un paquet de base. Crépitement. Chaman. Robot, barbier, gobelin. Voleur. Commune dorée. Ah non, c'est pas une de base, j'ai une commune dorée. Très très belle, hein, avec l'eau qui jaillit, avec les oiseaux, les poissons. Superbe. La fumée. Commune dorée, Mataf. Neutre. Commune. Neutre. Le char araignée. Et la toute dernière carte, une rare. Attention les amis. Rare. Mystique, un mystique de Kezan. Une neutre. Donc voilà, donc j'aurais eu beaucoup de cartes en double. Je vais les transformer en poussière. Donc je vais vous laisser là-dessus. Pour cette toute nouvelle série qui se fait avec l'extension Gobelins et Gnomes. Superbe extension. 120 nouvelles cartes, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et pas mal de légendaires aussi. Hein. Il doit y en avoir 8, même plus. Et donc. Désolé pour ce petit blanc, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un chez moi. Et donc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un commentaire. Laissez un remerciement à ta mère le Tuc. Pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi je dis monsieur le Tuc, hein, c'est ta mère le Tuc. Mon cher ami, pour ces magnifiques miniatures. Laissez un commentaire pour me dire si vous aimez cette vidéo. Cette vidéo, si vous l'aimez pas, justifiez, commentaire argumentatif. Dites si vous aimez cette série, même si c'est la toute première vidéo. Dites-moi si vous aimez Gobelins et Gnomes. De toute façon, si vous me dites que vous aimez pas la série, je la ferai quand même. Alors, hein, jusque-là, c'est normal. Et putain, je parle tellement vite en couille aujourd'hui. Et non, je crois que je vais pas faire d'autres vidéos parce que sinon ça va être nawak. Et donc, laissez un j'aime, abonnez-vous, des vidéos diverses et variées. Et quoi dire de plus? Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Donc la mère le tue qui fait des superbes miniatures. Et dites si vous aussi vous avez à la hype pour voir ce jeu Assassin's Creed Unity en coopération avec ta mère le tuque et Batrius. Je vous laisse sur ces phrases. Sur cette phrase. Wow, on se calme. Et et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!